Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus te bénit, personne ne peut te maudire. Si Jésus dit oui, le thème de mon message est les principes de la réussite. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours des principes à affranchir pour aller vers une grande destinée. Alléluia. Alléluia. Donc, vous comprenez que sur chaque enfant de Dieu, il y a une destinée. Amen. Maintenant, pour que chaque enfant soit dans sa destinée, il y a des principes qui sont attachés à lui, selon sa destinée. Amen. Selon la destinée. Gloire à Jésus. Si ta destinée est de devenir président de la République, il y a une attitude, un comportement, des principes qui t'accompagnent vers la destinée d'être président de la République. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que si tu dois être pasteur, il y a des principes qui sont attachés à ta vie pour l'appel de pasteur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous comprenez que dans chaque domaine de la vie, de chaque vie, il y a une destinée. Et cette destinée-là, ces principes s'attachent à toi en fonction de ton appel. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour être des responsables d'entreprise. On ne peut rien faire pour leur vie. Ils sont nés pour ça. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour rassembler. C'est des meneurs d'hommes. Donc, il y a des principes qui s'attachent à eux pour aller vers ces destinées-là. Gloire à Jésus. Il y a aussi des personnes que Dieu a appelées pour demeurer célibataires. Oui, et qui meurent célibataires. Donc, vous allez voir qu'il y a aussi des principes qui s'attachent à leur destinée. Gloire à Jésus. Leurs compagnons, c'est les chiens. Amen. Ils lèguent leur bien aux chiens. Alléluia. C'est malheureux, mais c'est évident. Alléluia. Donc, vous comprenez que quelle qu'en soit la destinée de ta vie, quelle qu'en soit là où Dieu veut que tu puisses rayonner, il y a deux éléments qui s'attachent à toi. Alléluia. Alléluia. Deux éléments sont indispensables. Amen. Le premier élément, le sacrifice personnel. Amen. Si tu es appelé à devenir roi, il y a un sacrifice qui s'attache à toi en fonction de ton appel de roi. Si tu es appelé à devenir pasteur, il y a un sacrifice qui t'attache à toi en fonction de ton appel. Si tu es appelé à devenir hôtesse, il y a un sacrifice qui s'attache à toi en fonction de cela. Tu ne peux pas te laisser faire, te laisser aller quand tu es appelé à devenir mannequin. On est d'accord? Alléluia. Donc, vous voyez que quand Dieu t'a appelé à devenir mannequin, à travailler, à marcher, toujours aller faire des défilés, il y a des gens qui sont là, des préparateurs de ton corps, des préparateurs de ta mentalité, de ton mental, alléluia, des psychologues qui s'attachent à toi, afin que la vision que Dieu t'a donnée puisse s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Ensuite, en dehors du sacrifice personnel, il y a, alléluia, il y a la foi. J'ai une vision. Je dois travailler cette vision. Quel qu'en soit ce qu'on me dit, quel qu'en soit ce qu'on me fera, quel qu'en soit ce qui se passera sur mon chemin, mais cette vision-là, je m'attache à elle. Il y a un sacrifice personnel. Donc, le sacrifice personnel implique ta part en tant qu'enfant de Dieu à faire. Alléluia. Deuxièmement, je vous ai parlé de la foi. Cette foi s'implique à la responsabilité de Dieu. Parce que tu ne peux pas être en train de faire un sacrifice
afin que la vision que Dieu t'a donnée puisse s'accomplir et que Dieu ne puisse pas t'aider à demeurer là où tu veux. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que dans toute chose, il y a besoin de savoir ce que nous voulons faire. Donc il y a un processus. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis qu'il existe des principes qui vont... Il existe aussi des principes qui vont t'amener vers l'échec. Pendant qu'il y a des principes qui t'amènent vers la réussite, il y a aussi des principes qui t'amènent vers l'échec. Quand tu as une vision, tu ne travailles pas à la vision, tu vas vers l'échec. Alléluia. Quand tu as une vision et que tu ne la travailles pas de sorte qu'elle puisse monter de jour en jour, qu'on ne puisse même pas te reconnaître, frère, il n'y a rien à faire. Tu vas dans la boue. C'est aussi des principes. Alléluia. Et nous devons comprendre que à chaque étape, à chaque volonté réelle de vouloir accomplir quelque chose dans notre vie, il faut qu'on s'attache à ces deux principes. N'est-ce pas? La volonté personnelle, alléluia, le sacrifice personnel et la foi. Donc vous comprenez, je veux y aller, mais pour y aller, je n'irai pas tout seul. Il faut que je m'attache à la foi afin que Dieu m'accompagne. Donc vous comprenez que si Dieu ne m'accompagne pas dans ce que je peux faire, il me sera difficile. J'irai vers un échec. N'est-ce pas? Alléluia. Mais je vais vous parler d'un élément qui est aussi très important dans le sacrifice personnel. Donc je veux te parler de toi. Alléluia. Ce sacrifice personnel s'attache forcément à toi. Alléluia. Avant que tu n'aies la vision, ou avant même qu'on t'appelle et que tu commences à travailler cette vision-là, il faut qu'il y ait une intervention interne à toi-même. Il faut croire en toi. Alléluia. Frère, si tu ne crois pas en toi, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, frère, les autres principes pour t'amener à échouer te t'abattront. Viendront de l'extérieur pour t'influencer. Frère, ta vision, dès que tu l'as eue et que tu travailles à cela, tu t'appuies sur le Seigneur d'abord dans un premier fait. Crois en toi-même. Beaucoup ont échoué dans leur projet de société, dans leur projet de foyer, parce qu'ils ne croient pas en la puissance du foyer. Ils ne croient pas à ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ne croient pas en eux-mêmes. C'est des gens qui se laissent conduire par tout vent. Un vent souffle à gauche. Ils partent à gauche. Ça souffle à droite. Ils sont obligés de partir à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Avant d'aller dans la Bible. Regardez, quand on vient en France, très souvent, on est tout de suite affecté par le besoin des papiers. N'est-ce pas? Donc vous vous rendez compte que là où passent les 100 papiers, cette personne ne passera pas là-bas. On lui demande même simplement de faire une déclaration d'impôt pour que les autorités du pays sachent ton existence. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas qu'on connaisse leurs traces. Alléluia. C'est une erreur, frère. Et vous voyez, ces personnes-là vivent dans l'angoisse des autres. Vivent dans l'échec des autres. Là où les autres sont partout, partis du moins et qu'ils ont échoué. Nous, quand on veut partir à la préfecture, mais l'autre est parti, on l'a pris, on l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Frère, Dieu a appelé chaque personne, chaque identité en fonction de leur vision. Chacun sait comment il est arrivé en Europe. Et chacun sait ce qui est dans leur vie. Chacun connaît son étoile. Ce n'est pas parce que lui, il a échoué de l'autre côté que quand toi, tu partiras, tu échoueras. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, de ces six causes avec lesquelles nous vivons, nous marchons avec. Et à cela s'ajoute la peur, l'angoisse. Vous voyez, nous provoquons un autre principe. Vous
venant de l'extérieur à rentrer en nous et à défavoriser notre destinée. Frère, tant que tu es sur ta pente et tu as cru en Dieu, tu sais qu'il t'a appelé et il te demande d'aller vers l'avant, quel que soit le soulèvement, je reste dans ma position. Alléluia. Nous allons prendre un exemple, le cas de Joseph. On va lire Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37, à partir du verset 5. Vous allez voir. Joseph eut un songe. Joseph a eu un songe, oui. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit. Il a dit. Écoutez donc ce songe. Écoutez donc ce songe. Que j'ai eu. Que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Mm-hmm. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Oui. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et c'est bon, il c'est raconta... bon, c'est bon. Mais regardez, qu'est-ce qui a fait que Joseph a été haï pour la première fois? Parce qu'il a été haï, hein, on dit qu'il a eu encore un songe et ils vont le haïr encore davantage. Même son père va douter de lui. Et on connaît l'histoire. Mais ce que je veux vous montrer dans cette situation-là, c'est quoi? Dieu a pris les yeux de Joseph, n'est-ce pas? Pour, comme vous voyez l'aigle, l'aigle vole très très haut, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il existe un oiseau qui vole plus haut que l'aigle. C'est pour ça que la Bible nous parle des yeux de l'aigle. Ceux qui ont des révélations profondes, comme par exemple dans la Bible Ézéchiel, n'est-ce pas? C'est des personnes qui ont des yeux de l'aigle. Donc vous vous rendez compte que Joseph a eu ces yeux-là. Et Dieu va lui révéler ce qui sera sa destinée. Mais ce qui a fait l'erreur de Joseph, amen, c'est qu'il a partagé aux autres. Alléluia. Bien-aimé, si Joseph n'avait pas communiqué sa destinée, il ne serait pas attaqué. Personne ne l'aurait haï. Il aurait pu garder sa destinée pour lui. Alléluia. Frère, souvent Dieu vous montre votre destinée. Il vous montre les projets qui sont attachés à votre vie. Des projets de réussite, de mariage, et j'en passe. Mais qu'est-ce qui nous fait que nous, par moment, nous sommes combattus? C'est parce que nous révélons. Mais ce n'est pas mauvais de révéler. Parce que quand on révèle, on demande de l'assistance, on demande de l'accompagnement, ou même des fois des conseils, afin qu'on puisse aller de l'avant. Parce que quand on a la vision, on ne peut pas la porter tout seul. Donc c'est normal qu'on partage la vision. Mais quand on partage la vision, il y a un élément qu'il faut comprendre. Dans le partage de la vision, tu seras celui-là avec qui tu marcheras dans ta vision. Alléluia. Joseph, ayant fait cela, Dieu va utiliser le cœur de ses frères pour que Joseph puisse comprendre qui est réellement dans sa vision. Mais est-ce que vous croyez que les attaques, les empêchements, n'est-ce pas, le rejet, l'abandon des frères vont empêcher Dieu dans la vision sur Joseph? Alléluia. Alléluia. Très souvent, nous sommes en train de murmurer ou pleurer parce que quand les attaques se lèvent, les murmures se lèvent, les provocations se lèvent, les accusations se lèvent, les calomnies se lèvent, on influence notre vision. Donc, on a peur. On ne veut plus rien faire. Ou carrément, on abandonne tout. Je laisse tout tomber. Alléluia. Imaginez-vous aujourd'hui des gens qui sont dans des endroits que je n'ose même pas prononcer, qu'on appelle cimetière. Imaginez-vous le nombre de visions qu'ils avaient, les destinées, les dons qu'ils avaient, des bibliothèques qui aujourd'hui sont couchées là-bas parce qu'ils ont été influencés par des gens. Ils ont été d'autres même ont pris carrément
Vous savez, le poison, ils ont bu. Parce qu'on s'est moqué d'eux. Parce qu'on les a empêchés. Par la langue. Alléluia. Mais il faut savoir une chose. Une chose est d'avoir une vision. Mais une autre chose est d'entendre la voix de Dieu. Dieu te dit quoi dans ta vision? Frère, j'ai dû abandonner beaucoup de choses. Le travail, des responsabilités pour servir Dieu. Et au départ, quand j'ai commencé l'œuvre, on était à la maison, c'était en 2012. Et premier dimanche, on était 4. Deuxième dimanche, on est passé de 4 à 12. Et parmi les 12 là, il y a un de mes amis qui est venu avec sa sœur, qui elle aussi avait 6 personnes. Amen. Et après la prédication, ils sont rentrés chez eux. Moi, pour moi, c'était une joie parce que de 4, on est passé à 12. Alors, je me disais que j'allais pouvoir les revoir. Dans la semaine, j'essaie de l'appeler pour l'exhorter. Voilà ce qu'elle me sort. Moi, j'ai interdit ce que j'ai amené de revenir dans ton église, là, dans ta maison. Dieu n'est pas dedans. Parce que quand j'ai prié, Dieu m'a dit, dans les 2 mois qui suivent, ça va fermer. Donc moi, je leur ai dit de ne plus jamais venir là. C'est vrai. Tout de suite, ma chair a pris un coup. Et j'ai dit à Dieu, il dit, Seigneur, voilà ce que cet enfant-là dit. Mais toi, tu dis quoi? Et le Seigneur me donne une image. Où il me montre ce que serait l'église. Je dis, Seigneur, merci. Je suis resté sur ma position. Frère, elle m'a donné 2 mois où l'église allait disparaître. On n'entendait même plus parler de l'église. Mais dès qu'elle est partie, on est passé à 26. Au bout de 2 mois, on est passé à 52. 3 mois après, on ne pouvait plus contenir la maison. Alléluia! Et quand on est sorti, on était au 15. De la petite salle, on est venu ici. Et on est chez nous-mêmes. Pourtant, elle m'a donné 2 mois. Et regardez les visions de l'extérieur. Regardez ceux avec qui vous partagez vos visions. Alléluia! Frère, tant que les agissements ne t'affectent pas, tant que les agissements ne te découragent pas, tant que les agissements ne t'affectent pas, une chose est de savoir, Dieu, qu'est-ce qu'il dit de ta vision? Joseph est resté sur sa position. Joseph savait où il partait avec Dieu. Si Joseph ne le savait pas, quand il était rentré dans la maison de Potiphar, automatiquement, il allait tomber la veste, tomber la chemise, tomber le pantalon, tomber le slip. Alléluia. Mais Joseph a su une chose. Il sait qu'il y a une différence à faire entre les choses qui ne sont pas de Dieu et les choses de Dieu. Donc, la femme de Potiphar n'étant pas ma femme, je ne peux pas la toucher. Et si je la touche, ma vision va s'arrêter. Alléluia. Frère, dans le principe de la vision, il y a des éléments qui nous accompagnent. Paul disait, je traite durement mon corps. Pourquoi? À cause de l'homme qui m'attend. Frère, tant que tu n'as pas pris une décision ferme sur ta vie, Dieu te donne la vision, mais la vision est suspendue sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu es yo-yo. Ni à gauche, ni à droite. Il y a un vent, tu souffles ici. Tu es là-bas. On parle ici, tu es ici. Finalement, on ne sait plus où tu es. Et Dieu te cherche avec ta bénédiction. Alléluia. Mais reste totalement insensible à tout ce que l'homme peut te faire. Pourquoi? Parce que les gens ont vu la lumière qui est sur toi. Ce qui brille sur toi. Autre jour, tu marchais dans la tristesse. On ne savait même pas quel nom te donner. Tellement tu étais angoissé. Et dès que tu as accepté le Seigneur, il y a une vie. Quelque chose s'est libéré en toi. Les gens ont vu. Là où on ne te voyait pas, on te voit maintenant. Donc c'est normal que ta vision soit attaquée. Ce n'est que de la jalousie. Il n'y a rien d'autre. Quand tu leur poses la question réellement, qu'est-ce que l'enfant a fait? Et puis tu le détestes ou tu la détestes. Il ne peut pas te donner la réponse.
Alléluia. Personne ne peut arrêter le soleil de Dieu par la main. Personne. Le soleil qui brille sur toi là, personne ne peut arrêter ça. Alléluia. Dieu a dit une chose. Je veux que mon enfant soit béni. Frère, quels que soient tes mouvements, tu vas te faire mal pour rien. N'est-ce pas? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut se lever le matin pour dire, moi je prie contre l'église, et tu dis que tu es chrétien? Je prie contre l'église. Mais qui est la tête de l'église? C'est qui? C'est pas Jésus? Donc tu es en train de dire, moi je prie contre Jésus. Moi, je vais détruire l'église là. Frère. Dis à quelqu'un, ils n'ont rien compris encore. Frère, si tu partages ta vision, ce que Dieu t'a donné là, ta destinée, tu la partages à l'autre, n'est-ce pas? Afin que il puisse simplement, certainement, t'accompagner. Si il ne peut pas te croire, crois en toi-même. Alléluia. Eh, frère. Vous voyez, l'homme, il y a des gens qui sont nés, ils n'ont que de la négation sur la langue. Amen. Frère. Il y a des gens qui sont là, que Dieu a envoyé. C'est-à-dire que tout ce qui sort de leur bouche, c'est la négation. Alléluia. Le jour où tu as fait l'erreur, tu pourrais présenter une femme. Ils vont tout faire pour voir dans les narines de cette femme-là qu'il y a un petit poil blanc qui est dedans. Tout ça pour influencer ta vision. Frère, tant que Dieu est avec toi, tant que tu crois en toi-même, tu l'as vu, elle te plaît, marie-la. Alléluia. Elle te plaît, non, Kofi? S'il y a un homme qui te plaît, Kofi, est-ce qu'il y a un mal à dire, chérie, tu me plais? Est-ce qu'il y a un mal à cela? Faut le lui dire, Kofi. Alléluia. Maintenant, il vient, tu dis, papa, il me plaît. Papa, il va m'aider à travailler à sa vision. Papa, aide-moi. Alléluia. On va l'aider. Alléluia. Frère, il y a besoin qu'on t'accompagne dans ta vision. Les enfants de Dieu souffrent. Alléluia. Non. Hé, hey, toi là. Toi, tu as tourné jusqu'à... C'est lui là, tu as vu. Tu as tourné jusqu'à... C'est ça là, tu as vu. Tu as tourné jusqu'à... C'est... Hé, hey, frère, ton problème est où? Quand vous lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que même Jésus n'a pas été épargné. Ils n'ont pas du tout raté Jésus. Ils ont tous douté. Et qui? Les frères de Jésus. Ils ont douté de sa vision. Alléluia. Va, rendons un peu la parole. Jean 7. Lisons un peu la parole. Jean 7, à partir du verset 5. On va comprendre quelque chose. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. 7. Car mes frères non plus, ses frères, ne croyaient pas en lui. Reprends mon fils. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Arrête-toi là. La Bible dit quoi? Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alléluia. Frères, vous allez voir que les gens ne croiront pas en vous. Ils ne vont même pas croire en votre vision. Ils ne vont même pas croire à ton mariage. Ils ne vont pas croire à ton enfantement. Ils ne vont pas croire à ta réussite. Ils vont même t'accuser pour dire, oh, tout ça c'est pour freiner ta vision. Mes frères, la Bible dit, car ses frères n'ont pas cru en lui. Alléluia. Mes frères, est-ce que ça freine la vision de Dieu sur Jésus? Alléluia. Vous allez voir, s'ils n'ont pas cru en toi aujourd'hui, la Bible dit, lis-moi le verset 7. Lis la suite du verset.
Verset 6, précisément. Oui. Jean 7, verset 6. Oui. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Mais votre temps, parce que le temps de critique est là. Le temps de blocage est là. Le temps d'accusation est là. Le temps d'empêcher ma vision est là. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Frère, si aujourd'hui tu es là, ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Parce que Jésus a dit, ce temps n'est pas encore arrivé. Amen. Donc ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. Et le temps de Jésus est bientôt de ta vie. Frère, même ses frères n'ont pas encore la rue. La soeur qui disait que dans 2 mois, l'église allait être fermée. Aujourd'hui, voici 4 ans, nous sommes dans le ministère. Jésus n'a pas encore dit dans son dernier mot, dans ta vie, Seigneur, si ton mariage tarde, ne crois pas que tu ne pourras pas être marié. Si ta guérison tarde, ne crois pas que tu ne vas pas être guéri. C'est faux. Si ton élévation tarde, ne crois pas que ça va tarder, ça va s'arrêter. Non. C'est pas parce que l'autre a dit, ou c'est pas parce que l'autre a échoué, que toi tu vas échouer. C'est pas parce que l'autre n'a pas été élevé, que toi tu seras dans sa position. C'est faux. Frère, quitte dans ça. Jésus dit ici, il dit votre temps est prêt. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Il dit votre temps est prêt. Il dit mon temps n'est pas encore. La Bible dit, même les frères de Jésus n'ont pas cru en lui. Amen. Regardez ce que lui Jésus dit. Il dit mon temps n'est pas encore arrivé. Vous là, vous les moqueurs, vous les empêcheurs, vous les sorciers, votre temps est prêt. Amen. Hein? Mais ce temps dans lequel vous êtes n'est pas mon temps à moi. Alléluia. Frère, ta destinée est là. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, elle s'accomplira. Au nom de Jésus. Frère, si elle tarde, c'est parce que le temps que Dieu a choisi n'est pas encore arrivé. Alléluia. Acte 1. Lisons acte 1. Les mêmes frères qui n'avaient pas cru en Jésus. Regardez ce que Dieu va faire. Acte 1, verset 13. Arrivé, ce qui m'intéresse, c'est le verset 14. Lis verset 14. Oui. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière et dans l'oraison. Et dans l'oraison. Avec des femmes, avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Mm-hmm. Et avec les frères de Jésus. La Bible dit quoi? Avec qui? Avec. Et la dernière partie, c'est quoi? Avec les frères de Jésus. Frère, qu'est-ce que je veux expliquer ce matin à quelqu'un? Amen. La Bible dit, ils étaient tous assemblés dans la chambre ronde, n'est-ce pas? Où Jésus leur avait dit, attendez le Consolateur à Jérusalem. Maintenant, quand Jésus disait, il parlait aux disciples, est-ce que ses frères étaient là? Donc Jésus était en train de faire quoi? Il était en train de travailler à sa mission. Jésus était en train de travailler à sa destinée. Il parlait à ses disciples. Et quand il parlait à ses disciples, il n'y avait ni Marie, ni les autres, ni ses frères. Mais la Bible dit, maintenant, ce que Jésus avait promis, il dit, attendez le Consolateur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit, attendez le Consolateur à Jérusalem. Tant qu'il n'est pas venu, ne faites rien. Amen. Mais vous allez voir, quand le temps de la promesse va s'accomplir, ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus autrefois ont commencé à faufiler. Et ils sont mis dans le lot. On ne sait pas d'où ils sont sortis. Frère, hey, personne ne peut arrêter la vision que Dieu a mise sur ta vie. Alléluia. Regardez bien. Jésus dit, même, ça dit que mon temps n'est pas encore arrivé, votre temps est prêt. Ok. Et on va dans Actes, la Bible dit, ils étaient assemblés tous d'un commun accord. Ça voudrait dire quoi? À cause de ta bénédiction, ils viendront maintenant pour s'attacher à toi. Alléluia! C'est ta réussite! Ceux qui t'avaient insulté hier, ceux qui s'étaient moqués de toi hier, ceux qui t'avaient empêché hier, ceux qui te traitaient de séri hier, ceux qui te disaient que tu ne pouvais pas te marier hier, mais le jour de ton mariage, le jour de ton mariage, ceux-là, vous n'allez rien comprendre.
ils seront vêtus d'un manteau. Et quand ils viennent, au lieu de venir par la grande porte, ils vont passer comme ça. Pour s'asseoir dans le fond. Mets-toi devant, là on va bien te voir. Alléluia. Mais vous allez voir ces mêmes personnes, ils rasent le mur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu maintenant ta réussite. Frère, c'est la réussite de l'enfant de Dieu qui fait la différence. Alléluia. Tant que tu ne travailles pas à ta réussite, tant que tu ne travailles pas à la réussite dans un sacrifice réel, en t'abandonnant totalement à Dieu. Frère, ceux-là qui se moquent de toi vont continuer de moquer de toi. Alléluia. On dit, oh, ça fait 30 ans qu'il est en France. Ça fait 20 ans qu'il est en France ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Au pays, il n'y a rien. À Paris, il dort chez quelqu'un. Donc, il n'y a rien. Mariage, rien. Enfant, délinquant. Il n'y a pas. Frère, mais quand tu travailles à ta vision, tu entretiens ta vision, tu travailles à cela, tu dis, Seigneur, j'ai foi que mon temps n'est pas encore arrivé. Et je sais que quel que soit le temps, ton temps est le meilleur. Donc Seigneur, fais-moi rentrer dans ta gloire. Fais-moi rentrer dans ton mariage, dans le mariage. Fais-moi rentrer dans l'élévation. Fais-moi rentrer dans mon travail. Seigneur, ce temps-là est le meilleur temps. Et le temps s'accomplit dans ta vie. Et vous allez voir, ceux qui n'ont pas cru en toi, comme les frères de Jésus, ils vont se glisser. Et le consolateur était le Saint-Esprit. Tu pouvais protéger tout enfant de Dieu. Mais vous allez voir, ils vont aller s'asseoir dedans aussi pour bénéficier de ça. Alléluia. Je veux causer avec un enfant de Dieu. Pourquoi tu as peur? Amen. Hey, l'église, c'est comme un train. Sois béni, mon fils. L'église, là, c'est comme un train. Amen. Quand le train démarre, amen, hein? Quand le train démarre, gloire à Jésus, il y a tout le monde qui manque dans différents compartiments du train. N'est-ce pas? Et le train a des destinations. Dans chaque point est un lieu de destination, n'est-ce pas? Celui qui sait qu'il arrive à destination, il fait quoi? Il descend. Alléluia. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que quand il est descendu et puis il dit au train, il insulte train chien, est-ce que ça va freiner l'orientation du train? Alléluia. Est-ce que ça va changer l'itinéraire du train? Le train demeurera toujours dans sa tangente de bénédiction. Alléluia. Et celui qui descend, l'autre monte. Bien-aimé. Alléluia. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, dès qu'il y a une situation, on est tremblant, on a peur. Dès qu'on voit une mouche, on a peur. Frère, la mouche peut venir, mais ce n'est pas pour toi. À partir du moment où tu n'es pas dans un lit d'hôpital cloué et qu'il n'y a pas une maladie qui t'a cloué, quel que soit ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu dit, ton temps n'est pas encore arrivé. Frère, ton temps n'est pas encore arrivé. Alléluia, ton temps n'est pas encore arrivé. Alléluia, ton temps n'est pas encore arrivé. Le temps, ton temps est le temps de Dieu. Et ce temps-là, personne ne peut l'arrêter. Quelles que soient les injures, quelles que soient tes infirmités, quelle que soit la situation que tu traverses, ce temps-là n'est pas le temps de l'homme, mais c'est le temps de Dieu. Lui qui t'a donné le souffle de vie, il sait comment faire pour te relever. Parce que ta chute n'est pas une chute de l'homme, mais c'est Dieu qui t'a mis en réserve. C'est pour ça tout à l'heure, maman Yahweh a touché mon cœur parce qu'elle est rentrée dans mon enseignement. Frère, quand Dieu te parle, obéis simplement et reçois. Parce que vous savez, dans cette, vous savez que dans la destinée que nous recevons, nous, enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, frère, ce que nous entendons, vous n'entendez pas pareil. Ce que nous voyons, vous ne pouvez pas voir. Eh, lisez vos Bibles. Quand Dieu voulait parler à Moïse, alors qu'il a pris qui? Il a pris Aaron, et puis il a attaché à Moïse pour le service du ministère. Mais regardez Dieu. Quand Moïse a dit, je ne sais pas parler, il dit, mais ton frère est là. Il va parler à ta place. N'est-ce pas? Regardez Dieu ce qu'il va faire. Pour parler à Aaron, il va passer par Moïse. Est-ce que Dieu n'a pas la possibilité de parler directement à Aaron? Alléluia! Regardez, quand Aaron
Moïse a dit à Aaron, je vais sur le mont Sinaï. Je vais parler à mon père. N'est-ce pas? Il était sur le mont. Et il priait, il parlait avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Le peuple d'Israël a commencé à faire des veaux d'or. N'est-ce pas? Pour qu'il soit adoré. Alléluia. Mais regardez Dieu. Dieu aurait pu parler directement à Aaron. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Moïse. Il dit, voilà tes gens là. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu nous donne une vision, c'est le serviteur, loin de Dieu, celui que Dieu a mis au devant de toi, dans l'entreprise, ton chef de service, c'est celui qui a la vision de l'entreprise. Alléluia. À partir du moment où tu ne t'attaches pas à la vision qu'il a mis en place, c'est ton terminus. Tu descends. Frère, parce que sachez une chose. Quand quelqu'un est né de manière négative, tu ne peux rien faire. Tu veux le convaincre, tu veux l'amener à un changement. Tant qu'il n'a pas pris une décision pour réellement changer, ce qu'il veut te faire, il va le faire. Alléluia. Il voit tout ce qui passe autour. Moi, je ne tremble pas quand il se passe des situations. Je dis à mes enfants, calmez-vous. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Ceux qui sont réellement pour Bethesda resteront à Bethesda. Amen. Et feront l'œuvre de Bethesda. Amen. Alléluia. Celui qui n'est pas de Bethesda partira, mais l'œuvre continuera toujours. Frère, regardez le foyer. Quand une femme veut te trahir, quand son cœur est déjà parti, quand un homme veut te trahir, quand son cœur est déjà parti, quand tout est parti, où tu vas beau faire, il te trahira toujours. Alléluia! La destinée que tu as mis sur toi, personne ne peut la changer. Les gens viendront pour influencer la destinée de Dieu sur ta vie. Mais ce que Dieu a dit là, si toi tu travailles à ça, Dieu t'accompagnera dans la destinée. Mais ce qu'il faut comprendre, dans la marche de la destinée, Dieu va t'envoyer des choses, des situations, pour que tu comprennes qui est réellement avec toi. C'est pour cela que quand, regardez ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Quand Joseph, il a été accusé, il a été abandonné par ses frères. Amen. La Bible dit, il a été vendu. Mais regardez, quand il a été vendu, est-ce que ça freinait la destinée de Dieu sur Joseph? Joseph est parti dans tous les endroits où on l'a envoyé. Joseph a prospéré. Frère, il y a des moments où il faut accepter d'être vendu. Frère, vous voyez, des fois, il y a beaucoup qui ne supportent pas la vérité. Celui qui te caresse dans le sens du poil ne t'aime pas. Accepte qu'on te dise la vérité. Frère, beaucoup n'aiment pas la vérité parce qu'elle blesse selon eux. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à changer. Parce qu'ils sont sur une pente. Une pente que toi tu as vu depuis loin. Donc tu anticipes ce qu'ils veulent faire. Et quand tu sors cette vérité, ils se dressent. Alléluia. 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 Un enfant de Dieu a besoin d'être parlé. Amen. Hein? Ils n'ont pas freiné la destinée de Joseph. Joseph a été vendu, abandonné, rejeté. Frère, c'est dans l'isolation que Dieu bénit. Quand tu es tout seul, quand tu es seul, en train de réfléchir, tu remets tout sur la table. Et puis tu te dis maintenant, ah, Seigneur, je n'avais pas compris. Je ne savais pas que la vie était ainsi. Parce que quand tu es trop entouré, trop de supporters autour de toi, on ne t'aide pas. On cherche ton déclin. Parce qu'ils ne t'aident pas réellement. Ils ne te disent pas la vérité. Ils ne te disent pas ce qu'ils doivent te dire. Tu dois te faire élever. Ils ne travaillent pas à ta destinée, mais ils travaillent à ton déclin. Donc frère,
Au fur et à mesure, à chaque fois qu'ils te parleront autrement, tu verras que tu feras un pas en arrière. Alors que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu ailles vers l'avant, vers ta destinée. Frère, regardez Joseph. Son père, sa mère, ses frères, tous l'ont abandonné. Très souvent, on est déprimé. Moi, je vais arrêter. Je vais abandonner. Parce que je ne comprends plus. Tout ce que je touche là, ça s'écroule. Quand je vais ici, ça ne marche pas. Ah, je voulais. J'ai quitté l'autre église. Maintenant, je suis venu ici. Là où je suis venu encore, là, il y a affaire sur moi. Partout où je vais, il y a affaire sur moi. Frère, tant que cette vérité ne t'a pas affranchi, partout où tu partiras, les affaires là t'accompagneront. Alléluia! Il faut accepter le brisement. Il faut accepter quand tu parles. Alléluia! Bien-aimé, ce que je te dis là, c'est dans tous les domaines de ta vie. Au travail, quelqu'un est là qui porte la vision. Alléluia! Toi, tu as une vision de monter. Mais pour que tu montes, il faut t'appuyer sur quelqu'un. Alléluia! Pour réussir là, il faut t'appuyer sur quelqu'un. Mais pour que tu t'appuies sur la personne, il faut te faire périr. Parce que si tu hausses trop les épaules, tu ne pourras pas monter. Frère, il n'y a pas deux hommes dans une maison. Il y a un seul homme. Il y a une seule femme qui est laide. Si tu veux faire femme et garçon en même temps, ce n'est pas possible. Il y a deux visions dans la maison. Et quand il y a deux visions dans une maison, il y a division. Alléluia! Il y a un qui est dans l'obéissance et l'autre est laide. Et il y a un qui reçoit l'amour. Toi, en tant qu'homme, Dieu t'a créé pour donner de l'amour. Alléluia! Tant que tu ne donnes pas l'amour, il y a deux visions dans la maison. La femme réclame, toi tu dis non, je ne suis pas fatigué, je suis pas prêt. Je suis fatigué. Ou tu découches. À partir du moment où tu as découché de ta maison, tu as divisé la maison. Alléluia! Frère, quand tu es dans la maison et que tu as deux visions, alors que la maison doit avoir une seule vision. Alléluia! Quand tu as deux visions, ça veut dire que dans la maison, il n'y aura plus jamais de paix. Tu ne peux pas avoir une femme ici, une femme là, une femme de l'autre côté. Finalement, il y a une guerre d'esprit. Parce que chaque femme veut authentifier son autorité, son règne. Donc, va aller voir là où on ne veut pas partir. Alléluia. Et frère, et puis vous allez voir, parmi les femmes là, il y a une que la maman a choisie. Amen. Donc, elle va te talonner par rapport à ça. Elle te contrôle par rapport à ça. Amen. Hein? Et quand tu te poses au choix ou à la vision de la maman, tu es en danger. Parce que le danger même est proche de toi. Donc c'est elle qui est utilisée pour t'atteindre. Maintenant, quand il y a une situation, tu pleures. Frère! Je veux parler à quelqu'un ce matin. Alléluia! Tu peux commencer par une petite chose. Tu peux commencer par un petit commerce. Mais ce commerce-là peut être une vision que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Et vous allez voir que de petit commerce à commencer, Dieu peut développer cette activité, peut faire de toi une plaque incontournable du commerce. Alléluia. Mais il faut travailler. Il faut avoir la foi. Cette vision-là. Alléluia. Tant que tu écoutes, et tu écoutes du moins ça et là, tant que tu écoutes ce que tu ne dois pas écouter, finalement, tu perds ta vision. Amen. Regardez. Il y a de cela 3 ans aujourd'hui, il y a une de mes filles qui est venue me voir. Papa, voici ma situation. L'autre me parle ici de quitter mon mari. L'autre me dit ici
Oh, lui là, tu as fait quoi, lui? Quitte. J'ai dit, ma fille, mon enfant, elle dit oui. J'ai dit, écoute-moi bien. C'est ton mari, non? Elle dit oui. Je suis d'accord. Et ton mari, non? Elle dit oui. Ton cœur dit quoi? Reste là. Ce que la Bible me dit, ce que Dieu a uni, personne ne doit séparer. Moi, je m'appuie sur tes paroles. Travaille. Ce que toi-même tu sais qui ne marche pas dedans là, fais tout travail à ça pour que ça marche. Parce que vous allez voir que dans ces principes de vie là, nous-mêmes on a notre part, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, il y a notre part dedans et puis il y a la part de Dieu, n'est-ce pas? Si tu travailles à ce principe qui est ta part, Dieu fera le reste. Mais vous allez voir que on est très souvent, parce qu'il y a des personnes que Dieu a mises sur la terre qui sont très influençables, qui écoutent beaucoup ce que les gens du dehors disent. Les gens de peu de foi. C'est comme ça que Dieu les appelle. Et ils vont venir influencer ton choix, influencer ta vie. Et finalement, là où tu devais avoir la paix, tu vas aller rencontrer quelqu'un qui est un boxeur. Et en longueur de journée, qui te frappe. Tu as tourné ici, boum, dans ta tête. Amen. De sur quoi des fois un soulard. Donc ça veut même dire que quand il prend un verre d'eau plat, n'est-ce pas, quand il met dedans là, l'eau ça réveille ce qu'il y a dedans. Et puis boum, on te frappe. Tous les jours, partout. C'est toi qui as les boxes ici. Une frappe ne frappe pas. On ne frappe pas une frappe, non. 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 Est-ce que Dieu a dit de frapper la femme? Il a dit quoi? Il a dit de l'aimer, non? Il dit de l'aimer, non? Pourquoi vous ne l'aimez pas? J'entends vous la gérer. Vous la gérez comment? Dans les coups de poing? Amen. Il faut la gérer. Il faut l'aimer. Gloire à Jésus. Acclamons que le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont déprimantes. Des personnes qui sont découragées, des personnes qui sont agacées, des personnes qui sont vraiment à cause des critiques, à cause des injures, à cause de ce que l'homme peut faire pour empêcher sa vision. Frère, tout ça là, il faut comprendre que, j'ai toujours dit, le manguier là, s'il ne porte pas de fruits, est-ce qu'on peut lui envoyer des jets de pierre? C'est la même chose ta vie. C'est parce que ta vie porte des fruits. Là où ils t'avaient mis, là, tu n'es plus là-bas. Ils ne sont pas contents. Donc, ils vont envoyer des mystères pour venir t'espionner, pour venir t'encadrer, pour venir savoir ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu es devenu. Donc, ils vont créer des associations autour de toi. Alléluia. Oui, il faut qu'on crée des associations. Et puis, quand on crée des associations, la première personne qu'on appelle, c'est toi. Viens, il y a notre président. C'est pour te contrôler, tout simplement. La meilleure association dans laquelle tu dois militer, c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Fais le travail dans la maison de Dieu et tu verras si ça ne paye pas. Frère, le temps des hommes ne sont pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sonne pour ta vie, là où il y avait le blocage là, il disparaît. Pourquoi Dieu nous permet cela? Afin que nous travaillions, nous-mêmes, nous nous sacrifions, afin que ce moment-là soit dans notre vie. Alléluia. Mais tant que nous ne travaillons pas à ça, vous allez vous rendre compte qu'on a beau s'énerver, on a beau se décourager, mais Dieu, il bouche les yeux, il ne fait rien à ça. Des fois, on s'énerve contre le mari, la femme, mais ce n'est pas leur faute. Regarde à l'intérieur, tu verras. Dieu t'a dit quoi? Il veut que tu fasses quoi? C'est ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il regarde. Et c'est à ça qu'il te bénira. Alléluia. Regardez Potiphar. Joseph, il est allé chez Potiphar. Il a fui. D'abord, ils lui ont donné toute la responsabilité de la maison. Les biens de Potiphar, c'était lui. Il arrive encore en prison, c'est encore lui. De la prison, on le fait sortir. Il arrive chez Pharaon, c'est encore lui. Frère, cette vision-là,
personne ne peut l'arrêter. Vous comprenez? Vous comprenez aujourd'hui? Dieu m'a donné une vision pour Bethesda. Je travaille à la vision pour Bethesda. Tant que tu t'inscris dans la vision, tu seras dans cette bénédiction. On parle de vision, mais il faut avoir la foi, la persévérance. Il faut rester intact. Alléluia. Il faut rester ferme sur ce que tu fais. Alléluia. Frère, l'ennemi qui est de l'autre côté a vu que tu n'es pas ferme. C'est pour ça qu'il te dérange. Mais quand tu vas commencer à t'énerver, te détacher de cela, tu vas voir que ta vie sera autrement. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Il y a des personnes, il y a ce que j'appelle les diviseurs. Il y a la vision et puis il y a les diviseurs. Des gens comme les Thomas dans la Bible, n'est-ce pas? Quand vous lisez Jean 24, on ne va pas lire Jean 20, verset 24, vous allez vous rendre compte que Thomas, lui, tant que Thomas le dit, mais tant que lui n'a pas vu là, hein, les signes, hein, ceux-là, ils sont très souvent auprès de nous. Et tant que vous ne les avez pas éloignés, vous ne pouvez pas toucher la gloire de Dieu. Il faut qu'ils quittent. Comme Joseph, c'était ses frères. Comme Jésus, c'est ses frères. Donc les attaques de votre vision ne viennent pas d'ailleurs. C'est tes propres frères. Ceux qui sont proches de toi, c'est ceux-là qui t'empêchent. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Pour arriver sur les frères de Jésus, qui avait attaqué la vision de Jésus, qui n'avait pas cru en Jésus, qui avait critiqué Jésus, qu'on avait appelé Belzébul, n'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus a dit, restez à Jérusalem, je vous avais un consolateur. Quand il viendra, une fois que vous avez reçu maintenant le Saint-Esprit, vous pouvez aller pour aller faire l'œuvre. Alléluia! Ce que je veux te dire, c'est que tu vas comprendre, tu vas voir que dans ce que tu veux faire comme démarche pour te marier, dans ce que tu veux faire comme entreprise, il y a des gens qui ne sont pas loin de toi, tes proches viendront influencer ton entreprise. On dira, mais attends, toi, tu n'as pas entendu qu'il y a une loi qui a été votée? Tu n'as pas entendu qu'on dit pas qu'un noir n'a pas créé une entreprise? Tu n'as pas vu que l'autre là, il a créé l'entreprise, mais il n'a rien eu dedans? Aujourd'hui, il est en prison où il est poursuivi par les fixes. Frère, la vision de l'autre, lui seul sait comment il a marché. Amen, hein? Mais toi, ta vision, comment tu marcheras? Elle sera fondée sur l'évangile. Elle sera fondée sur Jésus-Christ de Nazareth. Elle sera fondée sur la parole. Ton mariage sera fondé sur Jésus. Donc tu vas voir que là où on voudra que tu échoues, tu n'échoueras pas. Alléluia. C'est pour dire, c'est pour vous encourager ce matin. Dieu a permis que nous ayons une vision dans ce ministère. On ira très loin. Sept jours de jeûne. Sept jours de jeûne. On veut t'envoûter spirituellement. On veut que ta vie soit bloquée. On veut te donner de la nourriture pour t'envoûter. Tes nuits sont troubles, mais dis l'Esprit de Dieu pour bloquer ta vie. On veut t'envoûter spirituellement. On veut que ta vie soit paralysée et que ta vie soit rempli d'échecs. Je détruis ce matin. Quitte, nom de Jésus. Quitte, nom de Jésus. Lui-le, nom de Jésus. Toi, esprit de mort spirituel. Quitte maintenant. Toi et ta sorcellerie. Quitte, au nom de Jésus. Lui-le, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te foudrai avec le feu du Saint-Esprit. La puissance de Dieu te délore ce matin. Quitte maintenant. Il y a longtemps, cet homme, tu le tiens et tu couches avec lui. Quitte maintenant. Libère-le. 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 Quitte maintenant. Je casse ta base. Détruis ta résistance. Trop d'échecs dans la vie de cet homme. Tout ce que vous lui avez donné en songe, sort par les orifices normaux maintenant. Sort maintenant par les orifices normaux.
tout poison spirituel que vous avez mis dans ses entrailles. Descends maintenant au nom de Jésus. Quitte, quitte. Descends, descends. Libère-le. Redescends-le. Oh, c'est trop ce qui se passe dans la vie de cet homme. Est-ce que tu as des enfants? Dans le spirituel, tu en as trois. Amène-le. Amen. Elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Je n'ai pas compris. Sa femme l'a quitté. Il n'a pas de travail. Il n'a pas d'enfant. Comment on appelle ça? Il n'y a pas. Amen. Où est ce homme? Amen. Quand il fait, excusez-moi. Où est ce homme? Chaque nuit, à chaque fois qu'il ferme les yeux, il y a une femme qui vient coucher avec lui. Et son sperme est, quand il, dans le physique, dans le monde réel, comme vous et moi, quand il va avec une femme, n'est-ce pas? Son sperme est pris. Et dans le spirituel, tu as une femme qui ne t'acceptera jamais mariée. Jamais, mais jamais, emprisonné par cette femme. Et partout tu vas, elle te suit. Même dans tes affaires, elle te suit. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut encore bénir Dieu que tu sois encore en vie. Ils ont programmé une maladie sur ta vie. Et c'est cette maladie-là qui veut. Ça dit que c'est le dernier plan maintenant pour t'abattre. Tu comprends? Aïe, 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 Jésus. Tu comprends un peu? Dans le monde spirituel, là, tu as trois enfants. N'est-ce pas? Et parmi les enfants, ils ont préparé un enfant qu'on a ensorcelé. N'est-ce pas? On peut s'asseoir. Qu'on a ensorcelé. Tu comprends un peu? Et quand tu dors, tu rêves qu'aux enfants. Frère, je ne sais pas si tu connais le Seigneur. Je ne sais pas si tu es vraiment engagé. Je ne sais pas si tu as vraiment confessé Jésus. Je ne sais pas si ta conversion a été réelle. Frère, si tu n'acceptes pas Christ, si tu ne t'assois pas dans une église, tu ne verras pas le lendemain. Vous voyez, c'est comme le ciel qu'on a pris, qu'on a refermé sur cet enfant. Est-ce que tu m'entends? C'est l'œuvre de la sorcellerie. Elle vient de ta famille paternelle. Amen. C'est comme quelqu'un qu'on a vendu déjà, mais qui vit pour un temps. Et ils attendent le temps de l'abattre. Ils attendent le temps de le finir. Si tu vis, mais en réalité tu ne vis pas. Parce qu'eux, ils attendent le temps qu'ils ont choisi là, pour t'abattre, pour toucher le cœur des gens. Tu m'entends? Il y a longtemps qu'on te suit. Tu avais 16 ans quand on te suivait. 16 ans. Là qu'on t'a remarqué, parce que tu étais brillant. Et là, ils ont identifié l'étoile qui est sur toi. On a commencé à faire le travail sur toi. Et une femme est rentrée dans ta vie. Une femme qu'on a préparée spirituellement est rentrée dans ta vie. Depuis que cette femme est rentrée, tu avais 18 ans qu'elle est rentrée dans ta vie. Depuis lors, tu ne t'es pas retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Dépend de toi. Ta vision est là. Ta grâce est là. Dieu attend que tu te décides. Si aujourd'hui tu es encore vivant, bénis celui qui est là-haut. Sinon, on parlait de toi au passé. Au passé. Si tu veux, fais venir 90 000 femmes. Elles partiront. Et aller chercher femme, tu vas chercher, elle vient, elle partira.
tant que ça, ça est sur toi. Aucune femme ne peut rester avec toi. Pardon? Pardon? C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes la deuxième personne, c'est vrai. Pardon? C'est vrai. On se connaît? Non. Frère! Ok. Il est. Tu n'es pas encore chrétien. Mais tu vas le devenir. Tu vas le devenir. Parce que Dieu va déjà solutionner un élément de ta vie. Cette femme-là, elle doit partir. Frère, tant que cette femme-là est là, il n'y a rien. Foy! Foy! Prends toute ta force, il n'y a rien. Foy! Elle doit partir. Tu sais la solution qu'il y a? Elle doit mourir pour que tu vives. Elle est en bas de ton pied. Tu m'as entendu? Elle est en bas de ton pied. Tu vas faire une seule prière quand tu vas aller dormir. Hein? Ça fait combien d'années de souffrance? 13 ans. 13 ans de souffrance. Aujourd'hui, là, c'est la fin. C'est la fin. Tendez vos mains sur lui. Réclamez la force de Dieu. Réclamez la puissance de celui. Il dit 13 ans de pleurs, 13 ans de vie, 13 ans de mort. Ah, Jésus. Éternel, dans ce vêtement, il n'y a rien. Toute chose s'accomplit par la foi. Je sais, Père, par la foi, ce que je vais accomplir dans sa vie, ce n'est qu'un acte prophétique. Mais je réclame ta faveur. Je réclame ta puissance dans cet acte prophétique. Afin que cet homme qui pleure et qui a assujetti, Seigneur, par la sorcellerie, depuis 13 ans, Père, Père, se voit délogé par cette femme qui est assise dans sa vie et qui manipule, qui détruit sa vie, Seigneur. Je prie, Père, que ce manteau soit un nouveau manteau sur sa vie. Et que le manteau qu'elle a mis sur lui, Seigneur, ce manteau de mort, ce manteau de blocage, ce manteau de paralysie, ce manteau d'humiliation, ce manteau de rejet, de mort, s'éloigne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est négatif, tout ce que l'ennemi a mis en lui, Père, mets-le à moi, mets-le à moi, mets-le à moi, Père, par la translation de la puissance, il reçoit maintenant la puissance de Dieu, une guérison miraculeuse pour détruire toutes les principautés de l'ennemi. Touche maintenant, touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que toute fausse fondation dans sa vie se croule maintenant. Que tout mauvais arbre dans sa vie soit délogé maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?